Alors, un petit bonjour à Montluçon. On n'a pas vu beaucoup de monde. No comment, c'est ça. Hein, Jean-Luc. Comment on appelle ça, le trou du... du monde, le trou du monde. Le trou du monde. Non, non, ben, il n'y avait personne du tout. Tout était fermé, donc c'est bien dommage. Mais... On a un gars qui est passé et il n'a même pas daigné venir nous adresser la parole. Mais ça se trouve, c'était quelqu'un qui venait pour visiter. Hein. Non, il sortait de l'aéroclub. Ah, oui, il était d'accord. À l'aéroclub. Le mec, il nous a évité quand même. Ah, d'accord. Bon, ben alors, c'est dommage. Allez. Le lieu est sauvage, la population est sauvage. S'il regarde la vidéo, on lui dit non, on lui dit bonjour. Alors, quand même. Par contre, on va reculer un tout petit peu, s'il te plaît, Johan. Je recommence là. Voilà. Hop là. Ouais, c'est bien. J'entends le truc en buté, c'est parfait. Okay. Bon, alors, les bazars, la technique est lancée. On va mettre ça sur les oreilles. On prend la check. Donc, ah non, mise en route, c'est ça. Alors, prévol, barre de traction, les rentrées, le ramètre, je l'ai noté, les documents, le siège verrouillé, frein park. Il est serré, le sélecteur d'essence, il est ouvert, le transfert carburant, il est poussé. La réchauffe carbu, elle est poussée, verrouillée. La mixture, elle est en haut. Tout est off. L'avionique master en particulier. Contact batterie. On a 4 et 4, donc on est bon. Autonomie, on a 4 heures, donc en gros, ça sera 13h40, on va dire 17h40. C'est sûr que si j'écris en rouge sur du rouge, ça va pas être top. 17h40, balise de détresse, elle est armée. Les alarmes sont testées. Les volets, ceinture, voilà. Voilà, rentrée en butée, symétrique. Attends, j'ai mis les doigts dessus, tu sais, exprès, mais j'ai quand même réussi à en zapper. Hein. C'est fou, ça. Tu vois, exprès, je les donne tous à haute, mais il manque les volets. Là. Bon. Ok, alors, on va considérer que le moteur est chaud. Oui. Ah, largement. Suffisamment chaud, ouais. Pompe électrique sur on, manette des gaz, injection, magnéto on met sur haut, l'anticol, donc ici, là, là et là, les pieds sur les freins, frein de park, donc une injection. N'oublie pas de regarder à gauche et à droite s'il y a quelque chose. Ouais, on sait jamais, tu sais, c'est à ce moment-là que le mec il arrive. Bonjour, vous m'entendez? Fort et clair, fort et clair. Bon, j'ai quand même vérifié l'audio pendant que le bazar il part. Ok, on est ok, on nickel sur l'audio. Et on a démarré à 38. On a déjà pompé 10 litres. Donc LFBK, eh ben ça tombe bien. Activate, on est sur la première branche. C'est parfait. Bon. Hop, 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 là. Donc après la mise en route, la charge, l'avionique master c'est fait, le transfert carburant, il n'y en avait pas à pousser, la pompe est éteinte, les feux de navigation, moi je mets tout le temps, comme ça j'oublie pas, et on est visible de loin quel que soit le temps. Dépression gyro, allez dans le vert, fuel flow, alors le barreau, on est à 1020, le terrain il a quelle altitude là, 1400 dans là, un peu de choses près, hein. Ouais c'est ça. Exactement. 1000 combien? 360. 1360. 1360, ça nous fait du 1023.
te mets 1025, c'est bon. 1025, ça nous fait 2 comme ce matin. On est d'accord. Le barreau, c'est réglé. L'altimètre de secours. C'est réglé aussi. Peinture, on attache. Jean-Luc est déjà attaché. T'es sûr qu'on va pas t'éjecter quoi? Ah, je voudrais être certain de partir parce que passer la nuit ici. Je sais pas pourquoi, ça me tente pas. Ouais. Bon, c'est la deuxième fois, la première c'était à Aubigny. On avait vu juste le responsable qui était venu pour l'avitaillement. Alors, la première route, ça sera du 038. Vous savez, je me perfectionne maintenant, j'utilise un instrument. Voilà. Première altitude. Voilà, donc, altitude. Eh, ça y est, il est marqué, j'ai déjà mis 3000. J'avais mis 3000, ouais, c'est ça, de mémoire, elle était bonne. Transpondeur, il n'y en a pas. On est nickel. L'heure, je l'avais notée. Je crois qu'on va faire les essais de frein ici. Hein. Encore. Ah, les essais de moteur, les essais de frein, ça viendra après. Quand on aura démarré. Bon, le moteur, de toute façon, il est déjà, ouais, il est déjà bien chaud. Alors. Tac. Tour 80, petit 100, un bon 100, un 100 normal en fait, boule réduit, 7 tours stable, pas de détonation, on remet 1200. Alors, un parc, on vérifie tout, donc les magnétos sont sur beau, batterie alternateur, charge. Dans le vert, la réchauffe carbu, je l'ai bien repoussé, la mixture, le moteur il tourne donc elle est en haut, ou ouais, enfin non, remarque, elle pourrait pas être en haut en fait. Elle pourrait être moins haute. Bon, alors, sélecteur d'essence, si. Transfert carburant, il est poussé, l'autonomie. On a pas fait tout à l'heure, l'autonomie, de horizon artificiel, ouais. Alors, gauche. Ça pédale bien. Compensateur entre 3 et 4. Peinture attachée, pompe sur on. Un cran de volet gauche vers droite. Les éjecteurs sont en place, la pression d'huile vert, c'est chaud. Et si on est bon. Donc on va se faire un petit briefing décollage. Ah bah tiens, j'ai vu qu'il y avait ton. Voilà. Ah bah Jean-Luc, tu peux me passer la première carte s'il te plaît? C'est laquelle? C'est la plus vieille. Non, c'est l'autre. Et celle-là, voilà. Et là il y en a trois. Hein. Ouais. Eh ouais, je t'avais dit qu'au retour c'était. Voilà. Bon alors. Donc on est comme ça, on va remonter toute la piste en fait. Donc on aura encore le temps de chauffer lui. On décolle, on fait une montée initiale. Le tour de piste à 2400 pieds. Nous on doit monter un peu plus haut que ça parce qu'il y a une sécurité à avoir. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on prend, on monte à droite. En gros je vais me servir de l'autoroute là, comme point de machin, on la gardera à droite. Et on prendra la route vers le haut en montant donc à 3000 pieds. Donc le terrain étant à 1400, à 1900, 2000 pieds au plus tard, on enlève les volets. Et on grimpe et ensuite on suit toute la route, on évite Domera. Et on va là-bas et je vous raconterai la suite après.
en matière de briefing, décollage, donc on remonte, on se met tout au bout là-bas, ça a l'air de descendre là, j'ai l'impression. J'ai l'impression que la piste descend. Donc on va monter pour redescendre, c'est bien. Donc on s'axera, on mettra la pleine puissance, on décolle. Si on n'a pas décollé quand on a traversé le taxiway, c'est qu'un gros problème. Hein. Donc montée des valeurs, rotation 54 nœuds, montée normale initiale 510, montée normale. Je dirais qu'on pourrait même décoller de la 17. Hein. Ah ouais, dis donc, ça a changé. Ça vient de changer. Bien vu, Johan. On décolle 17. On va décoller 17. Ouais, finalement c'est pas plus mal. Bon alors ce qui veut dire qu'au niveau des trucs, au lieu de monter comme ça, on va faire ça, on revient sur le tour de piste, et quand on passera le village dont je t'ai parlé tout à l'heure, à ce moment-là, on part à droite. Ok. On va vérifier, on a les deux options. C'est vrai que, ouais, c'est plein travers de toute manière, donc autant prendre la plus courte. Bien vu, Johan. En briefing sécurité, donc en 4 pannes avant rotation, on rit du tout, on freine, on prévient personne. Pas de mineur après la rotation, donc on est sur la 17, on part, monter circuit main gauche, on revient sur la 17. Altitude de tour de piste 2400 pieds, on peut balancer un pad des fois que quelqu'un entende. Et en cas de pad majeur après la rotation, on rend la main 78 nœuds, on aura largement de quoi se reposer en toute sécurité en principe. Rien à dire, rien à ajouter. Pas 50, il sera 48. Non listant information du Fox Golf novembre Lima, bonjour. À personne, hein. Vraiment personne. Non listant le Fox novembre Lima, nous sommes à l'avitaillement, nous avons fait des essais moteurs. Nous roulons, prenons le taxiway, on remonte sur la 17. Lâche les freins. On vérifie, les freins fonctionnent. Voilà, comme ça c'est mieux. Virage à gauche, la bille part à droite, les câbles diminuent. Horizon. Câble. On va à droite. L'opération inverse qui se produit, tout va bien. Fermé là, c'est fini. En laissant le Fox Novembre Lima roulage, nous franchissons le point d'attente Charlie Unité et nous remontons la 17. Et du coup ça monte. Oh, personne à droite, personne à gauche. Essaye de frein à nouveau, ça freine. Donc tu vois, il y a quand même un peu de montée là-bas. Il y a une poêle de descente, c'est bizarre. On lui sent devant Lima, nous remontons la 17. La température extérieure est de 28 degrés, par contre là c'est plus que ce que j'avais évalué. Ah c'était prévu 26, bon 26, 20. Donc pour moi c'est chaud, donc départ à puissance sur frein. Un adepte de la chose. Avec avec toute la piste que t'as... Hein. Ouais ouais, non, c'est juste pour... C'est pas ça, mais après elle monte aussi la piste. Donc je vais essayer de décoller avant qu'elle ait monté. Là par contre j'avais pas vu, donc j'ai pas évalué la distance réelle de... Et... Passe la ligne jaune. Ouais. Là elle te fait un de ces trucs bizarres la ligne jaune. Il hein. Y a toujours personne, le ciel est bleu de manière totalement insolente. Ah oui, donc on a un collage, ouais. Ok. Stop. On est dans l'axe de piste, on est à 1000 tours. Le vent vient de gauche.
Le vent vient de gauche. Attends, tu vois, regarde, il a retourné maintenant. Il est, ouais, enfin, il est, ouais, il est de gauche. Ok, il est 50. Bon, une fois, je le note avant. Voilà, ouais, effectivement, on aura quand même une petite composante arrière. Ouais, à peine. Bon, allez, puissance sur frein. On est aligné. On a toute la puissance. Talon au plancher, on a dévolé. Donc, marche à gauche. Légèrement arrière, le badin il s'active, il n'y a pas d'alarme. 38. 50. Encore, encore un peu. 53, 57. Voilà. 72. On a décollé, 70, on maintient. On est déjà à 80. Parfait. Bon, licence, 9 novembre, Lima, montée initiale. Et 7. Ah là, 70. Vitesse. Ouais. Donc ça fait comme un Nancy. Vitesse. On maintient 70 nœuds, on réaccélère 1800. Voilà, 70, on chatouille pas trop. Donc il peine à monter, alors là, on est 500 pieds minute. Hein. Ça se demandait si le décor il monte pas avec nous, tu sais. F, encore. Ok, on va déboucher. 1800 pieds, 900 pieds. Plus de pompe. T'as vu l'oiseau qui est passé? Plus de volée. Encore un peu de vitesse. 80 là maintenant, ouais. T'as vu l'oiseau qui est passé? Ah non, j'ai pas vu. Un grand oiseau est passé juste à côté de l'air. Ah non, j'ai pas vu. 80 nœuds, 2000 de champ. Je suis concentré sur le tableau de bord. Voilà. Un oiseau? Un grand oiseau. Ah, j'ai pas vu. 700 pieds. On n'a pas tourné le plan de la caméra vers l'extérieur? Ouais. Merci. On l'enregistrera tout à l'heure. Voilà. Alors il est où le village? Il est là. Voilà, 90 nœuds. Température 23 degrés, on a déjà perdu 5 degrés. Donc il n'y a plus de volée, il n'y a pas de pompe, il n'y a pas de réchauffe. Hein. On est 80 nœuds. Ouais, il a du mal à prendre de la vitesse. Hein. Ah, avec la chaleur, arrête de le mettre sans descendre. Oh, j'ai regardé là, j'ai mis un peu de... Ça y est, il est en train de s'affoler là. Voilà. Bon, Lisson, novembre Lima, les 2500 pieds sur la branche vent arrière, avant de prendre une route pour Nevers à droite. Et on monte, voilà. Ok, ça y est. 12 nœuds de face déjà. Alors... On va mettre la caméra comme ça, voilà. Donc là, je suis un peu à l'intérieur, mais je peux faire comme ça, je vais voir le village. On monte, on est 2800. Pétri de balade, alors là, il dérive le truc de fou, là. 2940. On voit bien le terrain. 2960. Voilà. Le patin il arrive, c'est ça? Ouais. Encore 10 secondes. Ok. Hop. 3100. Je crois qu'on va monter encore un petit peu de toute façon. Ah là, le village étant ici. Ok, on va chercher 3100, on sera pas secoué comme ça. Enfin, peut-être moins. On va afficher la... l'altitude 2, non? Ouais. 3003. Voilà. Ouais, finalement. On montait. On peut. Voilà, donc on a une grande ville déjà là-bas. 3005. Ok, on accélère. Comme j'ai dit, c'est 0.38. Hein. Et on a 10 nœuds de face, 7 de l'autre côté.
bas 5.30. Tours, 35 degrés. On a la vitesse pendant le tour minute. Donc on va dire qu'on est parti sur la nav à 52, 53. De l'équipe. Donc 2500 tours, on est dans le vert, pas de pompe, pas de réchauffe, pas de volet. On peut quitter, on est tout bon. Bon, Luçon du Fox Novembre Lima, nous sommes 3 nautiques au nord du terrain, nous quittons la fréquence pour passer avec Limoges, au revoir. Départ de La Rochelle à destination de Mâcon, je viens d'être libéré par Poitiers, je suis établi à 4005-1021, avec une personne à bord et un profondeur. Delta Charlie, un peu quand même. Le QNH 1020 à Limoges. On va grimper encore un peu. 70-37, transité, rappelez-moi en sortie. Delta Charlie, 7037 affiché, et il... On va monter 4005. J'allais dire ça a l'air d'être mieux mais oh, bien sûr. On va pas gagner d'avance, hein. Voilà. 4400. Alors 4400 c'est mieux. Voilà. Donc on évite la grande ville qui est devant. Donc ça c'est Montluçon, justement. On remet 2500 tours, on a pris nos 119. En 15 nœuds. Ça va Jean-Luc? Ouais, ouais. Nickel. 4004. On est 112, 113. On est stable. On va prendre contact avec le SIV. Donc on a dit Limoges. Limoges du Fox Novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, Limoges, bonjour. Donc Limoges, le Fox Golf Novembre Lima, DR400. Trois personnes à bord, nous venons de décoller de Montluçon, bravo Kilo, nous sommes 4004 travers de la ville de Montluçon, 1023 au QNH 7000 au transpondeur, pour passer en fréquence avec vous. Et Novembre Lima, votre destination? Oui, pardon, nous retournons sur l'Ogne, Papa Lima. Voici Novembre Lima, le dernier QNH Limoges 1020, affiché 70-37 et rappelez-moi en sortie. 70-37. Et 70-37, il nous a signé nos 8 en 1020 au QNH. Ah oui, il est là. Barreau? Ouais, non, non, Barreau. Parti sur Barreau. Il est où là? Barreau tout à l'arrière, c'est Barreau, je me disais aussi. November Alpha Delta, report ready for descent. Donc, madame 1022. Monsieur Roger Alpha Delta, we are ready for descent, please. Roger Alpha Delta, so descent initially flight level 70. Flight level 70, remember 200 Delta. Bon, tu crois que je vais y arriver? Ah, ça y est. Ouais. Voilà. Donc la fréquence suivante, hein, ça sera Paris Info. On va reprendre notre 038. Ça sent toujours un peu le carburant. Côté dans le vert. Ah, tu vois, on n'a plus de problème de symétrie là, c'est bien. Tout à l'heure, il a fallu que je mette du pied, tiens, regarde, t'as vu?
Donc ça, c'est non Lufan de Mora. Terrain restreint. On comprend pourquoi, la rigueur, parce que en fait, le circuit de piste, quand tu es en main gauche, là, sur celle qui vient vers nous, hein, tu passes carrément au-dessus de la ville, en fait. Ok. J'imagine que tu vas avoir un peu de ça comme raison. Donc on va dire qu'il était... en train de monter. 53, ah oui, bien vu. Cela étant dit, à 4006, on est bien aussi, hein. Ouais. Altitude, tu peux afficher 4005. Allez, halte. Ah là, 4007. Numéro 38, 35, alors on n'a pas de travers, donc je mets sur 0.38, test de face, donc on est sur un facteur de base de 0.6, donc on a 38 divisé par 0.6, 6 fois 4, 24, ça va faire dans les 23 minutes, on entend ça. Et par 10, ça fait 3.8, 6 fois 4, 24, ça fait vrai, c'est ça, bon, ça fait environ 22 minutes, 55, non. Ok, 13 minutes. Bon, 13. Que j'ai fait comme erreur de calcul, moi. On est 14h03. En 13 minutes. Ah, remarque, oui, d'accord, c'était par rapport à tout à l'heure, mais maintenant, ok. Donc ça fait 03, ça fait 05. Ok, donc ça fait 15. Et là, on est d'accord. Donc c'était bon. Donc, 14h. C'était bon. On peut se faire confiance. Hein. Bon, je crois qu'on est bien là en fait là. On a une belle vue. En plus, ouais. Bon, l'autre, si elle arrive à aller jusqu'au bout, on est content. Le critère pour commencer à s'affoler quand tu en prends en roulis. Et quand tu vois le sol, alors rien qu'en regardant à droite. Là tu te dis qu'on commence à avoir un problème. Continuez de monter là. Ouais. En 2005. Garde d'être stable pourtant, compenser comme il faut. Ouais, mais la masse d'air doit te pousser. Ouais, c'est ça. Ah non, je vérifie que c'était pas moi qui étais mal barré, mais... Donc 0.38, 0.39 puisqu'on est à gauche de l'axe. Bon, après on verra jusqu'à quel point on descend pour suivre la Loire. Alors on traverse déjà quelque chose. Hein. Après on peut rester haut jusqu'à Nangis, on devrait être à 2005. Mais juste après Nangis on descend 1005 et 1200. Alors, traverse de l'eau, voilà, on traverse ça alors. Donc on est juste là. On est en train de descendre. 1600, ouais, non mais il est stable, hein, c'est parce qu'en fait il y a des effets là. Hein? November Alpha Delta, contact X-Wing Approach 119 decimal 275, goodbye. Sorry, is that for November 210 for Delta? Alpha Delta, contact Aquitaine Approach, 119 decimal 275. Aquitaine, 119 decimal 275, November 200 Alpha Delta. On va voir Monsieur Roméo Limoges. J'écoute. Ah, peut-être la ville de Domera devant, de Fluss. Non, c'est qui de... Sierra Romeo. Il y en a une autre avant, c'est celle-là. Je vous écoute, Sierra Romeo. Sierra Romeo, vous quittez le SIV Limoges, transpondeur 7000, la suite avec Poitiers Info 124-00. Ah putain. 7124-0, Sierra Romeo, au revoir. Donc ça, ça doit être une petite ville. Ah ben là, on passe au-dessus de l'autoroute qui est là. Tout à fait. J'ai trouvé un nom, un surnom, Yoann.
Un qualificatif. Tout à ton honneur. Johan le fougueux. On n'a pas encore compris qu'il se passe un truc que lui il a déjà compensé le mouvement. Moi je suis plutôt un escargot, tu sais. Ah, il se passe un truc peut-être. Ah, on dirait quoi hein. Ah ouais, on est sur la tranche. Il s'est passé un truc. Ça sera très tard, mais... Donc, 41... Donc on a 14 nœuds de face, hein, il n'y a pas de doute. On est à bord de ce bon vieux novembre Lima. Alors que ce matin on était bien au-dessus des X-Ro. La température extérieure de 16 degrés, le commandant de bord vous souhaite un agréable voyage. Vous avez regardé ce truc là. Un espèce de petit château, il y a des tours là on dirait. Hop. Donc la caméra le voit là. Ouais c'est un château ça. Juste en dessous là au centre du village au nord, ouais. Dans la boucle. Tout est dans le vert, 2500 tours, tu regardes. Table hein. Et avec la boucle descendant, il n'arrête pas de monter parce que ouais. Même quand on est horizon stable, mais. Assiette nulle, il monte quand même. Hein? Même à assiette nulle, il monte quand même avec, à cause des ascendants. Ouais. Donc là, on doit arriver sur cette ville-là. On a de la forêt à gauche. Ah, peut-être même qu'on l'a déjà passé en fait. C'est rare, ça. J'ai rien vu d'aussi grand que ça. Des trucs que je comprends pas là. Bon. Donc en tout cas on a des forêts ici, on a des étangs. Des étangs là. Voilà. Donc alors finalement ce petit patelin là qu'on voit là, c'est peut-être bien celui qui est là. Là-bas on en a un qui a une forme, voilà, tiens, regarde, tu vois si on met ça. Ouais. Tiens, regarde, le lac là qui a une espèce de forme avec ouais, un angle là. Oui, je vois. Si on l'oriente suivant l'axe, ouais. Comme ça. Et là-bas. Ouais. La ville devrait peut-être être en dessous là. C'est pas trop. En tout cas, c'est pas l'Urci. Eh, c'est fou hein, tu continues de monter là. Ah ouais, on est 4007, on est stable hein, tu t'as 4006, 4007. Incroyable ça. Ah. On traverse les étangs. Non, ça peut pas être l'Urci déjà là. Non, c'est pas ça. Non, pas encore, je te dirais. C'est Crayi devant l'Urci, Crayi. Ah si, je le vois, il est là-bas. Là-bas à gauche, là. On a un grand champ vert. Oui. Et ça doit être... Ah, je sais pas... C'est plus logique, je vois pas, mais ça doit être là-bas. Ok. Après la forêt. En fait, t'as une forêt ici, t'as une zone de champ, encore un truc qui ressemble à la forêt. Derrière, un grand vert tout là. On va faire une prairie. Ça pourrait être bien ça, là. De la ville en dessous là. T'as pas 3000 pieds je crois pas. Oh quoi que. Novembre Lima Limoges. Novembre Lima j'écoute. Novembre Lima vous avez quitté le SIV Limoges, transpondeur 7000 et vous pouvez passer avec Paris Information pour la suite. 126 unités, au revoir.
126 unités par information transmise à 7000 affichés. Merci, au revoir, bonne journée, monsieur. Paris Info, Hotel Bravo, Bravo, bonjour. Donc on est sur celle-là. On sent qu'on se prend des petits coups de pied en fait. Fox Juliet Golf, Romeo Kilo, radar identifié. Merci, Romeo Kilo. Paris Info, Papa Hotel India Victor Alpha, Paris Info, Fox Victor Alpha, bonjour. Alors je vous rappelle, attendez. Paris Info, Hotel Bravo, Bravo, bonjour. À quel lieu, Buck? Je vois pas. Ah oui, je vois. Là-bas, non, il y a un truc vert. Juste devant nous, là. Ça fait un gros truc vert avec un quelque chose comme ça. Ah, regarde, on dirait qu'il y a de l'eau à côté du terrain, et là, il y a de l'eau aussi. Un truc bleu, là. Et l'axe de piste, ça correspond. Paris Information du Fox Novembre Lima, bonjour. Victor Alpha, Paris Info, je vous écoute. Il y a deux qui sont en train de Deauville, destination Moret-sur-Loing, Lima Fox, Papa Uniforme, et je suis à 4000 pieds QNH 1025. Je vais m'éloigner pour que vous le voyez un peu quand même. 70-17. 70-17, Victor Alpha. Fox Bravo X-Ray, Zulu Papa, fais attention. Il y a du parachutage au Havre. Parachutage au Havre, Fox de Loupapa. On a 7 de Paris Info, Fox de Loupapa, Fox Switch with Deauville Foutier. Deauville, oui, alors Zulupapa, Squawk 7000, you can contact Deauville, bye bye. Contact Deauville, Fox de Loupapa, bye bye. France peut passer ton message maintenant. Fox Golf Alpha Victor Alpha, radar identifié. Fox Golf Papa Echo India, pouvez-vous afficher 70-11 au transpondeur? 70-11 s'affiche Echo India. Et pas de doute, hein. Paris Echo India. Oui, Kondia, j'écoute. Il y a 5 minutes de l'entrée zone de Pontoise pour quitter la fréquence et passer avec eux. Ah, c'est ça le circuit avec une partie sur la piste. Alors, France, bravo Oscar et Kondia. Oui, 7000, vous pouvez quitter, au revoir. 7000, on quitte, au revoir. Je vois. Je peux passer ton message si tu veux. Ouais. Attends, on va regarder, on passe le truc et ensuite on pose. De toute façon, ensuite, la suite, elle n'est pas compliquée, elle est devant nous, là. Paris Info, Papa Hotel India Victor Alpha, good afternoon. Yes, Papa Hotel Victor Alpha. Papa Hotel India Victor Alpha, Papa November Romeo 3, with Alpha from Lima Fox Papa Papa to Echo Delta Kilo Victor. Mais je l'ai pas vu longtemps. Ah oui, regarde à gauche. Là, je vois, okay, ouais, d'accord. T'as vu un peu, c'est bizarre, hein. 7011. Vous voyez bien là? C'est rigolo. 7011 Victor Alpha. Y'a personne qui roule, y'a personne qui vole. Trois malheureux en gare, tu sais là. C'est Golf Bravo Papa Unit 4 Mike, so with you. Did you give me a score, Golf Bravo? Voilà. Donc on y est passé à l'heure à 15. Je vais descendre à poil parce que ça fait un peu haut quand même. On est à l'heure de Fox Juliet Alpha, nous approchons Charleville demandant pour quitter votre fréquence. Voilà, maintenant on va pouvoir causer.
Alors Juliette Alpha, 7000, vous pouvez quitter, au revoir. Merci, 7000, nous quittons. Bonne journée à vous, monsieur. Juliette Alpha. 10 minutes, ça fait 12 minutes. Ouais, je descends. 12, ça fait 27. 8 novembre 166 Golf, Paris Info, vous me recevez? Ah, t'as vu, regarde, j'ai retiré. Ouais, 200 tours, on est moins stable. Golf Tango, Mac Victor, j'écoute. Bon ben Jean-Luc, je crois que tu peux me passer l'entretien, s'il te plaît. Alors, Mac Victor, transpondeur 70-12, vous pouvez me reconfirmer provenance, destination? Je vais essayer 3005, on va voir ce que ça donne. Ça a l'air d'être pas trop mal. Oui, je répète, transpondeur 70-12. Alors 3006 pour pas avoir un... Papa Hotel India Victor Alpha, can you squawk 7011? Ah ben on a 9. 7011. Mike Victor, radar identifié. Comment l'aéroport ici, l'aéroport de Vert. Paris, c'est devant, bravo, bravo, bonjour. Bougez. Donc on a la Loire à droite. Non, ça c'est l'Allier. Papa, bravo, ça, c'est j'écoute. Ouais. Merde. Hôtel bravo, papa, Hotel from Lima Fox, Lima Delta, Bourges, to Parabulu, Lima Fox, Sierra Bravo, just inbound in Nevers, walk 7003, POP, climbing, flight level 905. Y'a pas beaucoup de haut. Putain. Ah non, effectivement. Squawk 7013. Papa Power 7013, the Squawk. Enfant 2, il est arrivé. Ah oui, il est arrivé. Victor Novembre, j'écoute. Victor Novembre, Inter 400, et personne à vol. On vo... Donc c'est pas compliqué, on reste. Direction, c'est pas bon, je reste. 2500. Victor Novembre, transpondeur 70-20. Transpondeur 70, poste Victor Novembre. Paris Information du Fox, Novembre Lima, bonjour. Novembre Lima, je vous rappelle dès que j'ai un code transpondeur de libre. C'est bien reçu pour Novembre Lima, merci. Fox Golf Papa Echo India, attention, il y a du parachutage à Charleville. Ouais, reçu, bah, j'écoute sur la deuxième fréquence. Fox Bravo Romeo Charlie Lima, 7000, vous pouvez contacter SEN sur 134.3. Charlie Lima reçu, merci monsieur. Golf Alpha Victor Novembre, radar identifié. Hôtel Bravo, papa Bravo, radar identified. Hôtel Papa Bravo, merci. Très bien, nos 16 de face. Hein. Papa Hotel India Victor Alpha, radar identified. There is a parachute jumping progress at Charleville. FQG jumping in Charleville, bleed outside for the area. Vous la voyez la ligne ou pas là? Ouais. C'est surtout pour la caméra. Finalement je la vois. Ah oui ça y est, ouais. Oui, là, la belle vue sur un parti quasiment sec. Ouais. Paris Info de Fox Victor Novembre, pour vous, mais on est le funéraire, s'il vous plaît. Bah, elle est pire que la Loire. Oh.
parle, quand il parle sécheresse et tout ça, là, maintenant on voit c'est quoi. Là c'est concret. Hein. C'est impressionnant. Hein. Ouais. Alors QNH à Paris, 1023. QNH à 1023, merci. Protecteur Nord. Fox Juliette Golf, Roméo Kilo, 7000, vous pouvez contacter Clermont 120 67. Oui, Clermont 120 67, le transpondeur 7000, Roméo Kilo. Paris, le Fox Juliette Golf. Vous voyez que des petites blanches là, jusqu'à 9h, donc on peut les passer tranquillement. Paris, le Fox Juliette Golf. Oui, j'écoute. On va terminer pour ce matin, on a mis le 4 à l'ancienne. Oui, bien reçu. Ça se passe bien, Diagolf? On n'est pas sûr que la caméra redémarre. Bon, bah c'est bien là. Les réflexes, Johan. Oh, ça bouge encore. Fox Golf Alpha, Victor Alpha, vous allez pouvoir me contacter sur 129-62. Tu peux t'attacher les bras. Attache-toi les bras, Johan. Top ceinture. Alors. Hop, on va voir maintenant. Tu arrives à rester les bras attachés. Fox Golf Alpha, Victor Alpha, vous allez pouvoir me contacter sur 129-62. T'as vu, on a pris 100 pieds, là. Là, quand t'es aux commandes et ça bouge avec le vent, tu les sens. Quand t'es pas en commande, ça te surprend plus, donc... Donc on a 9h, on a la... le terrain de 9h, là. À droite, là. Victor Alpha sur 129-62. Oui, c'est ça. D'accord, moi j'avais regardé à partir de là, j'avais déduit que la Loire, elle était en dessous, mais en fait, elle commence à arriver à la Loire. Et en dessous, c'est l'Allier qui jette dans la Loire, donc. Ah, ouais, c'est ça. Ouais, tu vois. Donc c'est ici que ça va voter. Donc maintenant, ça c'est la Loire alors. Hein? C'est la Loire qui commence par là-bas et elle est sympa. Ouais, c'est ça. Des forces Golf Alpha Victor Ample, il y a aussi la fréquence. Pour quitter la fréquence. Là, ici, comme ça, là-bas, il y en va à côté, c'est là-bas. Hein? Et tiens, on va les centrales nucléaires, on va là-bas. 7000, on va aller concentrer. Elle arrive jusqu'à où la Loire après? Jusqu'où la Loire Ah, après, ben, la Loire, elle va jusqu'à Orléans, puis ensuite, elle va jusqu'à Nantes. Ok. Ah oui, ok. Donc, on a bien le terrain... Non. Ouais, si, c'est une piste, ça, ouais, c'est une piste. Donc, on a bien le terrain de... Ah, ça y est, je commence à reconnaître les surfaces, là, ouais. Donc, on a bien le terrain de Nevers, ici, là, QG. On a pris 100 pieds depuis tout à l'heure, encore. Donc, on va saluer notre ami Jean-Claude, alias JCN58. Il va nous regarder là, quelqu'un qui nous voit, qui dort 6000 gouttes, on est de chez lui, hors de chez lui, de part à droite là. On va descendre à poil. On va se faire un petit 3004 après, 3003-3004. Donc salut Jean-Claude. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas volé. Il vole régulièrement sur l'escadrille ou pas Jean-Luc? Jean-Claude, non, c'est rare. C'est rare. Alors on va en profiter pour y faire un petit message, Jean-Claude. Viens nous voir. Johan, tu veux pas venir voler avec nous aussi? J'arrive pas à trouver le temps. Ouais, c'est bien le vendredi, pas facile pour toi. Hein? Donc le terrain à droite, hein, donc tu vois, tu reconnais là, on voit là. On voit la tour là, ouais, c'est ça. Okay. Là, t'as le travers comme ça là, qui vient sur la grande surface, le grand aéro, enfin la zone de parking. La tour, elle est juste à droite là. Ah ouais, quand tu connais la physio, c'est facile, sinon. Oh. Ah non, non, Yo, t'es pas attaché, Yo. Donc voilà une belle vue. Ça penche, ça penche. Non, ça a marché, Johan, j'y crois pas. 3400 tours, c'est normal.
vois personne sur le circuit. Ça c'est 9h, c'est ça? Ça c'est 9h, ouais. Voilà, voilà. Bill 2, ouais, bien. Ah, ça me plaît bien, là. Ah, ça me plaît, là. Ouais. Je vais mettre dans ma panoplie un autre appareillage, maintenant. Des menottes. Du scotch. Des menottes. Des menottes. Attachez, non, du scotch. Non, pas des menottes. On est en vue de Valenciennes, pour quitter. Il faut lui laisser une chance de pouvoir attendre. Il a un problème avec ses mains. Non, à chaque fois que je vais, j'aurai une réaction, je reviendrai. J'ai vu. Donc j'essaye d'éviter, mais c'est pas... Maintenant je l'ai mis au-dessus du ceinture. Ouais, c'est ce que souvent, je vole comme ça, ouais. Bon, alors maintenant on est sur la Loire. Service information, a good day. Ouais, en fait, on est passé à 50-48. All farm, suivre from Le Havre to Le Touquet. On est passé en avance, alors 26, non. Squawk 7005. Squawk 7005, KLM 79er. 1-8, correction, Bravo, Mike, push off. Alors là, parfois, c'est du juste par ici, là. Tu me mets derrière. Ouais, d'accord. Comme ça, ouais, je serai derrière. Là, je pense que c'est peut-être une ville jaune, donc je déboîte à gauche, là. Donc, c'est bien, ça permet de prendre un peu de distance, c'est parfait. 3002. Respect for Papa Hotel India Victor Alpha, approaching Alpha Romeo Delta Echo November, the request to leave your frequency. Squawk 7000, you can leave, bye bye. Oh, heureusement que t'as le canal, bye bye. Parce que la Loire elle est pas navigable. J'ai pas bien compris Jean-Luc. Et heureusement qu'il y a le canal, parce que la Loire elle est pas navigable. Ah oui. Il est où le canal, ça y est, je viens de le voir. Ah, juste avant. Ouais, ouais. Il y a quelques bateaux dans le canal. Ah, on n'a plus que 8 nœuds de face maintenant, c'est bien. Tant mieux. Ouais, ouais, on a gagné un peu par la vitesse sol. Ouais. On est à 112 sol, donc c'est bien, on est sur du... Bon, on peut prendre en compte les distances, les durées affichées sur le log. Et la PMB prit le pouvoir. Johan prit la tangente. Et Jean-Luc, le pauvre, ne pouvait rien faire. Oui, bonjour, novembre 675, Sierra Romeo. Oui, j'écoute. Oui, bonjour, vous êtes Tour Info? Ah, pas du tout, c'est Paris Info. Ah bonjour Paris Info, novembre 675 Sierra Romeo, un Cirrus SR22, deux personnes à bord, en provenance de Cannes, destination Guernsey, on est au-dessus des zones de tour au niveau 95. 12 minutes, ça fait 26, ça fait 38. Paris Metro, Delta Kilo, départ Alpha India. Alpha India, call you back. Sierra Romeo, transpondeur 70-77. 70-77, Sierra Romeo. Donc on a un autre patelin avant, là. C'est celui qui est là, la Sierra, je sais pas quoi. On a la manche. Ça marche. Extra uniforme, je répète, seulement vous, allez-y. Un joli pont. Moi je suis transpondeur 70-20 et quand je dis seulement vous, c'est parce que c'est pour éviter que d'autres parlent en même temps que vous et donc après on recommence tout, voilà. Oh, il s'est énervé là le contrôleur. Un truc, ah non c'est un... Devant 675, Sierra Romeo, radar identifié. Identifié Sierra Romeo.
Bravo, Papa Unit 4, Mike still with you, 40 miles to run through East Charlie Tango Lima. Are you requiring a squawk from me? Roger, squawk 7010, can you repeat all? Call sign, where do you come from, where are you going? Call sign is Golf Bravo, Papa Unit 4, Mike. I come from Le Touquet, I'm going to Canmont-de-Dieu. Paris Info, tu Fox Novembre Oscar, bonjour. Entendu. Novembre Oscar, j'écoute. Continuons en 70-16, Novembre Oscar. En dessous, on a le canal, on a un petit bateau dessus. D'ailleurs, il y a un petit pont au-dessus, intérêt à bien calibrer ton bateau. Hein. Et où la Loire, là? Non. Mais loin, bon, ouais, on voit, c'est pas profond, hein. Même quand là où il y a de l'eau encore, c'est pas profond. Hein. C'est vert. C'est vert aussi, là-bas? Ouais. Patouche. Ah, ça peut être Patouche aussi ton surnom. T'as vu Patouche? C'est mignon ça. Ah, voilà. Et ce matin j'ai réussi à me cogner la tête quand même. Bah là c'est ce que je viens de faire. Ah, avec le okay, tâche, j'ai un Oscar, radar identifié. Ça aussi c'est Oscar. Ah, on a des... Non, j'allais dire c'est des vignes, c'est quoi ça là? Ouais, pour info, non, Oscar, donc vous contacterez Deauville juste à l'entrée de leur CTR, puisque leur leur espace CIV aujourd'hui on s'en occupe. Oui, c'est sur la TIS, non, Oscar, on les appellera à Ecobet. Oui, vous pouvez prendre la TIS, c'est pas Deauville, problème. Sont en congé, hein. Très bien. Paris de Foxeco X-Ray, on a pris un câble vers Pontoise. Donc voilà où on va, alors, on va aller centrales nucléaires là-bas. Dès que vous descendrez, qui avance, c'est 65, il faudra appeler Rouen. Hein. Golf Bravo Papa Uniform Mike, you're in the area of Beauvais, so squawk 7000, and you can contact them on 119.8. 119.8, squawk 7000, Golf Uniform Mike. Pareil du Fox Alpha, bonjour. Alors, novembre 675, Sierra Romeo, 7000 et vous pouvez contacter Nantes, au revoir. Avec Nantes, Sierra Romeo, 7000, au revoir. Pareil du Fox Alpha, bonjour. Pardon, t'as dit quoi? Fox, il y a quelques petites vignes par ici. Oui, bonjour monsieur, le Fox Alpha, c'est 572, on est 3 personnes à bord. 3500 QNH 1018. On est au départ de Saumur vers Blois et on souhaiterait transiter dans la PMA CN8. Ah, Violette sur Côte. Le terrain, il est là. Tu vois la grande route, c'est comme ça et après il part comme ça là. À 2h à peu près maintenant. Il y a une zone qui est marron. Ouais. Droite à gauche. Là à gauche c'est le terrain. Oui oui je vous rappelle. Il y a des bâtiments là. 1, 2, 3 en gras, en gare. Et là je le reconnais parce qu'on était venu une fois avec Gérard. Enfin, on était venu chercher Gérard plus exactement. Avec avec moi et Régis. Régis, toi et Daniel là. Ouais. Daniel qui pilotait papa... Fox Golf Victor, Fox Alpha, radar identifié. Identifié, Fox Alpha.
et alors que le tour de piste à 1600, ça va. Eh bien. Novembre 166 Golf, Paris Info. Il est toujours au clair, Daniel. Daniel, là, bon, bravo Oscar, Lima Oscar, transpondeur 7003. Donc 1600, 2600, on est un peu au-dessus des tours de piste, c'est bien. Donc on a déjà terminé notre circuit de voir. Seco Express pour quitter, j'ai toujours pas vu le terrain. Seco Express, 7000. Le terrain est juste là, en bas à gauche, à droite, pardon. Non, t'es 14h là. Tu en as fait. Ah oui, je vois, maintenant là. Ah oui, j'ai vu. À gauche de la route. Ouais. Ah oui, comme ça. Et on voit le bâtiment vert là. Ouais, okay, il y a deux hangars verts. Mais vous savez qu'il arrive déjà. Est-ce qu'on est mis à la gauche? Et je suis à 2 minutes de la 7. Et selon toi, on traverse au-dessus de la Loire. Oui, justement, Elon est actif. Alors d'abord, vous les contacterez sur 118-12, 7000. Et après, il y aura Rouen à contacter. Et pour info, il y a un autre appareil qui rentre, qui sera en face de vous, mais ça, vous aurez rendez-vous par Rouen, qui rentre vers Pontoise. C'est bien reçu, Fox Lima, je contacte Evreux dès maintenant. Donc la route suivante après Côme, c'est 008. On voit la Côme. Oui, novembre 166 Golf. Et zone de viticulture encore une fois là. Ouais, viticulture, ouais. Il y a plein de vignes là. Ouais. Rappelle quand on était parti de Nevers, ça faisait pareil. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est qu'on était passé par là. Hein. Nevers, c'est juste derrière, on avait pris l'axe comme ça. On avait visé l'autre centrale qui est là-bas. Ouais. Là, il y a cette... Ah non, que j'ai des conneries, il y a Briard. Celle qu'on a là-bas, c'est celle qui est à côté de Sully-en-Loire. Celle qui est à droite, c'est Côme. Donc là à droite c'est le terrain. Oui, de Côme, Fox 9 novembre, novembre Oscar, vous allez pouvoir contacter Deauville et 7000 transpondeurs. 7000 transpondeurs et on contacte Deauville, merci de refaire. On voit pas d'activité sur le terrain. Je pense qu'on n'a pas rentré dans la zone Tata. Ouais ouais, c'est calculé. Là, tu vois, regarde là-bas. On a l'échangeur autoroutier là. Ouais. Donc en fait je vais rester à gauche ici. Dès que je vois que je peux passer vertical de l'échangeur, je tombe dessus quoi. Ok. Et je prends la route suivante. Et on est à 2 nautiques de la partie externe de la zone. En octobre, je vais à Le Mans. Enfin, je vais en voiture parce que j'ai un billet réservé, mais c'est à côté de l'aérodrome Le Mans. Ouais. Il y a un circuit voiture et il y a un circuit Formule 4. Formule 4 que je vais aller voir. Ah oui, ah, ça c'est. Et c'est collé aussi, c'est collé à l'aérodrome. D'accord. À quel aérodrome t'as dit? Le Mans. Le Mans, ah oui, le Mans, oui, forcément. Bah, tiens, regarde, hop, je t'en joue plus là maintenant. Ouais. Et là, parce que là, il a donc le terrain est juste derrière. Il y a un petit circuit là à côté aussi de l'aérodrome, j'ai vu, c'est pour ça. Donc là, je vais me positionner juste au-dessus du canal. Non, mais je t'en jante là, oui, c'est bon là, la Pévrin là, oui. Voilà. Regarde, on a un truc en ferraille, là, un pont en fer. Hop. D'où la caméra. Voilà. Bon, ben, c'est rare de passer aussi près d'une centrale, hein. Ouais. Je peux passer entre les deux cheminées. Hein? Entre les deux cheminées. Entre les gauches, cheminées. Je dis, si tu peux passer entre les deux cheminées. De centrale nucléaire. Ah ouais. Ouais ouais, ah bah oui bien sûr. Moi je suis volontaire. Pas tant que le mic, Fox Alpha. Je suis volontaire, mais il y en a qui veulent pas. Alpha, go ahead. Je suis must avoid nuclear power station, ne veut pas l'UL. Yes, we are now at 4000. On est passé à combien? Oh, à 38, hein. C'est pas rien, faut de Fox, kilo mic. Oui, j'écoute. On est à 4 minutes du point Bravo de l'entrée de la zone de Melun, on est à connaissance de la Baba 52, ce serait pour passer avec 42, et passer avec Melun. Oui, 7000, vous pouvez quitter, au revoir. 7000, on quitte, on passe avec Melun. Fox Kilo Mike, merci. Donc là, il est là, toujours, je suis pas sûr. Ouais, Fox Kilo Mike, ça, il est de Logne, il est à côté, on le voit souvent. Par contre, tu vois, j'ai pas fait gaffe, j'ai perdu 400 pieds. Même 500 pieds, j'étais 3100.
Alors Fox Golf Tango Mike Victor 7000, vous pouvez contacter SEN sur 120.32 et il y a du parachutage à Reims. Fox Golf Tango Mike Victor, transpondeur sur 7000, vous pouvez contacter SEN 120-325 et du parachutage à Reims. Ok. Donc c'est bien, je vais tangenter la route et je vais chercher ma route. Voilà, 008. Voilà. Ok. Alors vu qu'on va passer au-dessus de beaucoup de forêts, etc., etc., on va grimper. Hop. Regarde, elle est pas loin. Hein. T'as vu? De quoi l'arc? La zone là. Hein? T'as vu? Marie Info du Fox Golf GST Kilo pour quitter et passer avec Lodge, s'il vous plaît. Québec Kilo 7000, vous pouvez quitter, au revoir. 7000, au revoir et merci beaucoup. Fox Québec Kilo. Au revoir. Il nous a toujours pas donné un code, il est jamais revenu vers nous. Il a dit je reviens vers vous quand j'aurai un code. Ouais. Et reprendre 4005 comme tout à l'heure, on était bien. On la voit bien à gauche, regardez les gars. Ouais. Température, tout est dans le vert, on est chargé. Il y a beaucoup de Santa qui sont en train de les mettre en ralenti parce qu'ils n'arrivent plus à les refroidir correctement. Ouais. J'ai lu qu'ils vont en arrêter certaines. Comment? Ouais. Parce que l'eau aussi en sortie, elle doit pas dépasser une certaine température. Ouais. Et donc, après on va importer de l'électricité parce qu'on a... Au charbon. Ouais. pieds, encore un peu. Allez, 400, 300 pieds, 4400. Et là, t'as 15 nœuds de face, hein. Avant, on avait beaucoup moins. Ouais, et 10 de travers, donc je vais mettre un peu de dérive. Je perds de temps, donc... Ah bah, de toute façon, là, c'est prévu, hein, donc pas de soucis. VDS-SOL, quoi. Voilà, 84 à 4400, pardon. On y est. On accélère. Alors lui, il ne faut pas y faire confiance parce que le point suivant, pour le log, mais pour mon log à moi ici, là, c'est Courtenay, c'est un autre chose, c'est avant-sens. Ok. Ok, on a 115. 4005. Voilà. On est sécure là, d'abord. Ouais. Paris Info, de Golf Charlie India, Uniforme Hotel, bonjour. Et on n'a plus que 12 nœuds là maintenant. On a décollé à quelle heure, 40 50. Bon. Ok, il n'y a plus de vent. Non plus, il faut que je vous dise. Bien, Uniforme Hôtel, bonjour.
Ok, Mike Fox Alpha, be careful, the espace jumping progress at Dieppe, just on your right. Hotel Bravo Papa, Papa Bravo, je crois que ça va le faire, je connais contact, bye. Hotel Bravo Papa Bravo, 7000, contact par l'informat de Gira 904 en mer, Gira 1000, bon dimanche. Merci, bon dimanche. Alpha, pour info, j'ai 3 planeurs là dans ma zone. Ok, d'accord, on est là, regarde. On a le grand lac, on a la ville, on a la grande route qui part comme ça en travers là. Cette ville qui est là. Ouais, ça serait plutôt vers votre gauche, on est là. C'est ça. Affirme, là, j'en ai même 4 ou 5 là, qui sont en évolution. Bien reçu, pour info, ils sont pas avec moi. Là. Ok, non, ils sont pas seulement si jamais il y a du monde qui passe dans le coin. Ouais. En théorie, il serait à plus de 500 pieds de plus grand que vous. Speed, on est à 112, hein. Là, j'en ai un qui est sur le même niveau que moi à 9h et un autre qui en effet est un peu plus haut. Hein. Ah, on n'a plus rien. Normal, là, non, je l'ai enlevé. Non, il va me foutre en erreur. Droit devant vous, il y a un appareil en évolution qui... 600 pieds de moins que vous. Parce que lui, il m'emmène direct sur tout. Je vais pas le Je vais pas le dire. Tout est vert, tout va bien. On est à 5000. C'est beau là. Ouais, sympa. Golf Bravo Papa Uniform Mike. Uniform Mike, the Cessna 182, one person on board from Le Touquet to Cannes Mandelieu. Present just past the Charlie Tango Lima, 3000 feet, northwest Uniform Mike. Golf Bravo Papa Uniform Mike, the best is to contact SEN 120 decimal 32. 12032, Golf Uniform Mike. Durer un peu, je comprends pas pourquoi elle est si mauvaise que ça cette radio. C'est pas à cause de nous, hein, c'est ça. Non, c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne là. A priori, on est bon là.
Pour info, Fox 2, Papa et Kunja, l'appareil la regarde juste votre verticale, 10 000 pieds de plus que vous. Ouais, ben, on évite la verticale de, du terrain. Parachutage à Blois. Parachutage à Blois, c'est le petit rentré dans le royaume de l'Ontario. Fox Alpha, Fox 7000, you can contact the Lille Calme à la radio d'un seul coup. Ah, ouais, ça fait pas de mal. Hein. Je veux pas toujours le contacter pour prendre. Toi, non, on a toujours pas de. Oh, mais il a oublié le mec, c'est pas possible. Dans 7 minutes, ouais, c'est ça.
Mon avion arrive ici. À 7 minutes de la destination, entre autres. Et 7000 pour l'équiteur, voilà. 7000, merci monsieur pour le contrôle de sortie. J'ai quand même vérifié sur SDVFR. J'ai dit qu'on venait, donc je n'ai même pas le... Non, c'est bon, je pense. Par rapport à... Dans 5 minutes, ce sera ton échangeur de l'autoroute. D'accord, ok. C'est ce qu'on voit devant nous, là. Ouais. Alors, Fox Golf Alpha, Victor Alpha, 7000, pouvez contacter SEN 134-3. 7000, et je contacte SEN sur 134-3. Victor Alpha, bonne journée, au revoir. Zoulou, radar identifié. Identifié, pour info, il y a Évreux qui est actif. Ah, c'est bien noté, on contactera donc Évreux au niveau d'intégration de la zone. Oui, c'est pas tous les dimanches que c'est actif. En effet, très Zoulou. Alors, novembre Lima, donc vous êtes dans les zones de compétence de Seine, donc 7000 et 118.05 pour Seine. 118.05 pour Seine. Merci monsieur, au revoir, bonne journée. Voilà, après il nous a pris pour 5 minutes. C'est l'information du Fox Novembre Lima, bonjour. Fox Novembre Lima, bonjour. C'est l'information, le Fox Golf Novembre Lima, DR400. Trois personnes à bord, nous sommes partis de Bonlisson, bravo pilote, nous allons à Logne pour basse fréquence avec vous, nous sommes 3000 pieds, UQNH 1024, 1020. Novembre Lima identifié, transpondeur 7030 et pour information de l'activité planeur au départ de Poussarion. 7030 affiché, c'est reçu pour l'information Poussarion. Donc nous ferons un passage à proximité, on fera attention, merci. Alors, par contre... Alors, je vais arriver par là. C'est volontaire. Peur de prendre un repère. Non, là, je le vois pas bien. Qu'est-ce que tu fais là? Je vire pour m'aligner sur ce que j'ai envie de faire. C'est Pascal. Hein. Parce que ça c'est une trajectoire bien précise. Si je la prends pas, ben, je passe pas là où je veux. Oh. Ah, 2200. Ok, 2200, c'est bien. Belle puissance. Identifié. On va faire un peu là.
Red, information. Bonjour, le Pilatus, Echo Charlie, Kilo, Delta, Saint-Florentin, on passe 3700 pieds en montée, pour un niveau 135 parachutage. Et bien c'est au-dessus des grosses machines, des grosses maisons. Echo Charlie, Kilo, Delta, identifié, pardon, Echo Charlie, 335, c'est ça? Bien, Ulysse 35, c'est ça. On va faire appel limite du largage. C'est des lunes 135 pour larguer, madame. Allez, vous verrez le visuel là. Voilà, 2002, 2500 tours, vert, ah, c'est un regarde, elle a un peu baissé la température. Tellement là, il est content. On a de la pression, on s'en était rendu compte. Hein. Jean-Luc ? Ouais, devine. Merci. De sens à votre droite, hein. Cathédrale qu'on aperçoit là, on voit un gros truc qui ressort de la ville. Hein. J'ai l'idée de là où elle est, mais... Donc en fait, on passe en gros à entre 1,5 km et 2 km de la ville. Ah ouais, la cathédrale là-bas. Ça fait sens. Ouais. Elle est un poil sur la ville, dans la forêt là. Un vol dans les parages il y a quelques années de ça, pas avec nous. Hein. Faudra voir d'ailleurs comment on peut faire ça un jour. Ah ouais, je pense qu'elle a eu le au milieu. Bien joué.
Donc le pont Sérion, il est à gauche là-bas. Ouais, sans doute. Ah ouais, je sais où il est maintenant. Et il est, enfin, il est à 45 degrés par rapport à l'antenne, là, comme ça. Ouais. Bon, ben c'est bien de pouvoir passer près de France comme ça, là. Ah, Jean-Luc, c'est l'inédit, on n'avait jamais fait ça. Je sais plus, non, je crois pas. Non, je bon d'accord. Dire. C'est pour ça qu'on y vient. On a déjà fait des vols avec Johan notamment, on arrivait du nord, on allait vers le sud, vers Joigny, Auxerre, etc. Donc on l'a vu dans l'autre sens. Ah, ouais, c'est pas fait exprès. Mais pas dans ce sens-là. 7-3, Hôtel Charlie, c'est Mike, bonjour. Hôtel Charlie, Juliette Mike, Stephen, bonjour. Fox Hotel Charlie Juliette Mike, VR400 en provenance de Niort et à direction de l'initiative Golf Romeo en niveau de vol 055. Nous n'avons pas d'autres communications avec SIV. C'est normal, le type 2 et 3, le type 4 et 5.
Ok, au revoir. On s'est fait le fond. On est en 2009. On est 1200.
point.
Hotel. Attendre.
Pretty Wiki. Ah, t'as vu comment il a fait? Ouais. Victor Nombre, à 30 secondes de vertical de terrain, à 1500 pieds qu'une AHC pour une intégration en piste sur Victor Gassin. Fox X-3-Juliette, on est en milieu de montée initiale 08, on rappellera milieu 39. Et le groupe de tournée dans tout le monde peut reprendre la franchise, on va intégrer le début de l'arrière 6 de 08. Ça c'est en bas, ça c'est fini, ça c'est fermé, là c'est off, on tire les volets et tout est fini. C'est 04, moi je vois 05, 04. C'est un 04 ou 5, ouais, 04 et demi. Hein. Bon. Tu peux nous libérer si yes. Quoi, t'as chaud, Johan? Un peu. Bah, j'ai envie que t'as chaud aussi. Comment ça, il fait bon là? Il va bon, se prendre ça... un coup de casque. Ça vous a plu ou pas? Non, ils s'en foutent. Très bien. Ils ont qu'une envie, c'est de sortir. Les petits joueurs. Ah, tac. En tac. Fait, pour ce vol d'initiation au fin du monde. Ouais. Bon, bah. Il fait chaud. Ouais, là, il fait chaud, là. On se dit à une prochaine fois, alors. Ah, oui, ça tombe bah... un peu. Oui, mais moi j'ai plus de vol avec toi. Non, cette en fait, on en a un de prévu, mais on va le faire à deux a priori. On va voir ça, mais on est parti pour le faire à deux. Allez, à bientôt alors, avant la fin du mois normalement. Ciao!